Salut Sora, comment ça va? Comment ça va Sora? Diligence remonta la route en direction du château.
lorsqu'ils passèrent entre les deux grands piliers de pierre surmontés de sangliers ailés qui encadraient le portail de l'école, Harry se pencha en avant pour voir s'il y avait de la lumière dans la cabane de Hagrid, près de la forêt interdite. Mais le parc était plongé dans une obscurité totale. Le château de Poudlard, en revanche, dessinait de plus en plus nettement la silhouette de ses hautes tours d'un noir de jais qui se détachait contre le ciel nocturne. Par endroits, une fenêtre allumée brillait d'une lueur flamboyante au-dessus de leur tête. Les diligences s'arrêtèrent dans un cliquetis métallique devant les marches de pierre qui menaient à la double porte de chêne de l'entrée. Harry fut le premier à descendre. Il scruta à nouveau le parc pour essayer de distinguer une lumière du côté de la forêt interdite. Mais il n'y avait toujours pas le moindre signe de vie dans la cabane de Hagrid. À contre-cœur, et avec le vague espoir qu'elle se soit volatilisée, il se tourna à nouveau vers les étranges créatures squelettiques, immobiles et muettes, dans la fraîcheur nocturne, leurs yeux blancs, luisant d'un regard vide. Il était déjà arrivé à Harry de voir quelque chose que Ron ne voyait pas, mais c'était un reflet dans un miroir, beaucoup moins réel qu'une centaine d'animaux bien solides, suffisamment robustes pour tirer toute une flotte de diligence. À en croire Luna, les créatures avaient toujours été présentes, mais restaient invisibles. Pourquoi, dans ce cas, Harry pouvait-il soudain les voir et pas Ron ? Alors, tu viens ou pas ? Lui dit Ron. Hein ? Ah oui, répondit Harry. Et ils se joignirent à la foule qui se hâtait de monter les marches pour pénétrer dans le château. Le hall d'entrée était éclairé par des torches enflammées et résonnait du martèlement des pas de l'étale de pierre. Tandis que les élèves se pressaient vers la grande salle où aurait lieu le festin de début d'année. Les quatre longues tables, une pour chaque maison, se remplissaient sous le plafond étoilé sans étoiles, semblable au ciel qu'on apercevait à travers les hautes fenêtres. Tout au long des tables, des chandelles flottaient dans les airs, illuminant les fantômes argentés dispersés dans la salle et les visages des élèves qui s'interpellaient d'une maison à l'autre et observaient d'un œil critique les nouvelles coupes de cheveux ou les nouvelles robes. Cette fois encore, Harry vit des têtes se pencher les unes vers les autres en chuchotant sur son passage. Il serra les dents et fit mine de ne rien remarquer ou de ne pas s'en soucier. Et Evisora. Luna s'éloigna d'eux pour se diriger vers la table des serdaigles. Dès qu'ils eurent rejoint celle de Gryffondor, Ginny fut appelée par des amis de quatrième année et alla s'asseoir avec eux. Harry, Ron, Hermione et Neville trouvèrent des places vers le milieu de la table entre Nick quasi sans tête, le fantôme de la maison Gryffondor, et Parvati Patil, assise à côté de Lavender Brown. À en juger par leurs démonstrations d'amitié excessive avec lesquelles elles l'accueillirent, Harry fut convaincu qu'elle parlait encore de lui une fraction de seconde avant son arrivée. Il avait cependant d'autres préoccupations plus importantes. Il observait en effet la table des professeurs dressée à l'extrémité de la salle. « Il n'est pas là, » dit-il. Bien que ce fût inutile, Ron et Hermione regardèrent à leur tour. La taille de Hagrid le rendait immédiatement reconnaissable au sein de n'importe quelle assemblée. « Il ne peut quand même pas être parti définitivement, » dit Ron, un peu anxieux. « Bien sûr que non, » répondit Harry, d'un ton convaincu. « Tu ne crois pas qu'il aurait pu être blessé ou je ne sais quoi ?» dit Hermione mal à l'aise. « Non, » répliqua aussitôt Harry. « Mais alors, où est-il ? » Il y eut un silence, puis, à voix très basse pour que Neville, Parvati et Lavande ne puissent pas l'entendre, Harry répondit. « Peut-être qu'elle n'est pas encore rentrée de sa mission, ce qu'il devait faire pendant l'été pour Dumbledore. » Oui, ça doit être ça, dit Ron, un peu rassuré. Mais Hermione se mordit la lèvre et observa la table des professeurs, comme dans l'espoir d'y découvrir une autre explication satisfaisante à l'absence de Hagrid. « Qui c'est ça ? » demanda-t-elle brusquement, en montrant le milieu de la table.
Harry suivit son regard et vit d'abord le professeur Dumbledore, vêtu d'une robe pourpre parsemée d'étoiles argentées et coiffé d'un chapeau assorti. Il était assis au centre de la grande table, dans son fauteuil d'or au dossier haut, la tête penchée vers sa voisine qui lui parlait à l'oreille, une sorcière aux mines de vieille tante célibataire. Elle était trapue, avec des cheveux courts et bouclés, d'une teinte châtain clair, dans lesquels on avait glissé un horrible bandeau rose, genre Alice au pays des merveilles, assorti à son cardigan de laine pelucheux, également rose, qu'elle portait par-dessus sa robe. Lorsqu'elle se tourna pour boire à sa coupe, Harry reconnut avec horreur la tête de crapaud blafarde et les deux gros yeux soulignés de cernes. C'est cette bonne femme, Dolores Umbridge. Qui ? Dit Hermione. Elle était au tribunal. Elle travaille avec Fudge. Joli cardigan, remarqua Ron avec un sourire narquois. Elle travaille avec Fudge, répéta Hermione en fronçant les sourcils. Qu'est-ce qu'elle fait ici alors ? Je sais pas. Hermione, les yeux plissés, scruta la table des professeurs. Non, marmonna-t-elle. Non, sûrement pas. Harry ne comprenait pas ce qu'elle voulait dire, mais il ne posa pas de questions. Son attention avait été attirée par le professeur Coppe-Blanche, qui venait d'apparaître derrière la longue table. Elle se fria d'un chemin jusqu'à son extrémité et s'assit à la place qui aurait dû revenir à Hagrid. Ce qui signifiait que les premières années devaient avoir traversé le lac et être arrivées au château. En effet, quelques secondes plus tard, les portes de la grande salle s'ouvrirent en une longue file de nouveau et entra derrière le professeur McGonagall. Celle-ci porta un tabouret sur lequel était posé un antique chapeau de sorcier raccommodé de toutes parts avec une large déchirure tout près du bord. La rumeur des conversations cessa et les premières années s'alignèrent devant la table des professeurs face aux autres élèves. Le professeur McGonagall plaça soigneusement le tabouret devant eux, puis fit un pas en arrière. La lumière des chandelles éclairait les visages au teint pâle des nouveaux. Un jeune garçon, au milieu de la file, tremblait de tous ses membres. Harry eut le souvenir fugitif de sa propre terreur lorsqu'il s'était trouvé à cette même place dans l'attente du mystérieux examen qui déterminait à quelle maison il allait appartenir. L'école tout entière attendit en retenant son souffle. La décision qui traversait l'étoffe juste au-dessus du bord s'ouvrit alors largement et le chapeau magique chanta sa chanson. Aux temps anciens, lorsque j'étais tout neuf et que Poudlard sortait à peine de l'œuf, les fondateurs de notre noble école de l'unité avaient fait leur symbole. Rassemblés par la même passion, ils avaient tous les quatre l'ambition de répandre leur savoir à la ronde dans l'école la plus belle du monde. Ensemble, bâtissons et instruisons, décidèrent les quatre compagnons, sans jamais se douter qu'un jour viendrait où la destinée les séparerait. Toujours amis à la vie, à la mort, tels étaient Serpentard et Gryffondor, toujours amis jusqu'à leur dernier souffle, tels étaient aussi Serdaigle et Poufsouffle. Comment alors peut-on imaginer que pareille amitié vienne à sombrer? J'en fus témoin et je peux de mémoire vous raconter la très pénible histoire. Serpentard disait, il faut enseigner aux descendants des plus nobles lignées. Serdaigle disait, donnons la culture à ceux qui ont l'intelligence sûre. Gryffondor disait, tout apprentissage ira d'abord aux enfants du courage. Poufsouffle disait, je veux les quitter, tous mes élèves sont à égalité. Lorsqu'ils apprirent ces quelques divergences, ils n'eurent d'abord aucune conséquence, car chacun ayant sa propre maison pouvait enseigner selon sa façon et choisir des disciples à sa mesure. Ainsi Serpentard voulait un sang pur chez les sorciers de son académie et qu'ils aient comme lui ruse et rouillerie. Seuls les esprits parmi les plus sagaces pouvaient de Serdaigle entrer dans la classe
tandis que les plus braves, les trompe-la-mort, allaient tous chez le hardi Gryffondor. Les Poufsouffles prenaient ce qui restait pour leur enseigner tout ce qu'elles savaient. Ainsi les maisons et leurs fondateurs connurent de l'amitié la valeur. Poudlard vécut alors en harmonie, de longues années libres de soucis. Mais parmi nous, la discorde grandit, nourrie de nos peurs et de nos folies. Les maisons qui, comme quatre piliers, soutenaient notre école et ses alliés, s'opposèrent bientôt à grand fracas, chacun voulant imposer sa loi. Il fut un temps où l'école parut, tout prête à sa fin, à jamais perdue. Ce n'était partout que duels et conflits, les amis tressés contre les amis, si bien qu'un matin, le vieux Serpentard estima venu l'heure de son départ. Et bien que l'on fît cesser les combats, il laissait nos cœurs en grand désarroi. Et depuis que les quatre fondateurs furent réduits à trois pour leur malheur, jamais plus les maisons ne furent unies, comme elles l'étaient au début de leur vie. Maintenant, le chapeau magique est là, et vous connaissez tous le résultat. Je vous répartis dans les quatre maisons, puisque l'on m'a confié cette mission. Mais cette année, je vais en dire plus long. Ouvrez bien vos oreilles à ma chanson. Bien que condamné à vous séparer, je ne peux pas m'empêcher de douter. Il faut accomplir ma destinée, qui n'est autre que de vous répartir chaque année. Mais je crains que ce devoir aujourd'hui n'entraîne cette fin qui m'horrifie. Voyez les dangers, lisez les présages que nous montre l'histoire et ses ravages, car notre Poudlard est en grand péril devant des forces puissantes et hostiles. Nous nous devons de tous nous unir en elle pour échapper à la chute mortelle. Soyez avertis et prenez conscience. La répartition maintenant commence. C'était sympa les chansons du Choix-Beau, c'est dommage qu'elles soient pas dans les films. Le chapeau devint immobile et la salle éclata en applaudissements. Mais pour la première fois, autant que Harry pouvait s'en souvenir, ils furent accompagnés de murmures et de marmonnements divers. D'un bout à l'autre de la grande salle, les élèves échangeaient des commentaires avec leurs voisins et Harry, qui n'en continuait pas moins d'applaudir avec les autres, savait très bien de quoi il parlait. Il a un peu débordé du sujet cette année, dit Ron en haussant les sourcils. Oui, c'est vrai, dit Harry. Le chapeau magique se contentait ordinairement d'énoncer les qualités de chacune des différentes maisons de Poudlard que Poudlard exigeait de ses élèves et de préciser le rôle que lui-même jouait dans la répartition. Harry ne se souvenait pas l'avoir jamais entendu prodiguer des conseils à l'école. Je me demande s'il a jamais donné de tels avertissements par le passé, dit Hermione, légèrement inquiète. Aussi, répondit Nick quasi sans tête, qui savait de quoi il parlait. Il se pencha vers Hermione en traversant Neville, qui fit une grimace. Il était très inconfortable d'avoir un fantôme au travers du corps. Le Choix-Beau estime qu'il est de son devoir de donner des avertissements à l'école lorsqu'il pense que la situation l'exige. Mais le professeur McGonagall attendait de lire la liste des noms des premières années, et elle jeta aux élèves qui continuaient de chuchoter un regard aussi pénétrant qu'une brûlure. Nick, quasi sans tête, posa sur ses lèvres un index transparent et se redressa sagement, tandis que les chuchotements s'interrompaient soudain. Après avoir balayé chacune des tables d'un dernier regard sévère, le professeur McGonagall baissa les yeux sur son long parchemin et appela le premier de la liste. Abercrombie Huan. Le jeune garçon, terrifié que Harry avait déjà remarqué, s'avança d'un pas trébuchant et coiffa le chapeau magique qui lui était tombé jusqu'aux épaules s'il n'avait pas été retenu par ses oreilles proéminentes. Le chapeau réfléchit un instant, puis sa déchirure en forme de bouche annonça Gryffondor. Harry applaudit bruyamment avec les autres Gryffondor, tandis que Huan venait s'asseoir à leur table d'un pas chancelant, en ayant l'air de vouloir disparaître à travers le plancher
pour ne plus jamais avoir à subir un regard pareil. Peu à peu, la longue file des premières années diminua. Dans les moments de silence entre deux décisions du chapeau, Harry entendait l'estomac de Ron gronder bruyamment. Enfin, Zeller fut envoyé à bout souffle et le professeur McGonagall reporta le chapeau et son tabouret hors de la grande salle tandis que le professeur Dumbledore se levait. Malgré l'amertume que son directeur avait pu lui inspirer ces derniers temps, Harry se sentit rassuré de voir Dumbledore face à eux. Entre l'absence d'Hagrid et l'apparition de ses chevaux aux allures de dragon, il trouvait que son retour, tant attendu à Poudlard, lui avait réservé de très désagréables surprises, comme les fausses notes dans une mélodie familière. Mais en cet instant, tout du moins, les choses se passaient comme prévu. Leur directeur se levait pour les accueillir au festin qui marquait le début du trimestre. À ceux qui sont ici pour la première fois, déclara Dumbledore d'une voix claironnante, les bras écartés et le visage illuminé d'un sourire rayonnant. Je souhaite la bienvenue. Et à nos anciens, je dis bon retour parmi nous. Il est un temps pour les discours, et justement, ce n'est pas encore venu, alors bon appétit. Un éclat de rire appréciateur et une salve d'applaudissements saluèrent ces paroles. Dumbledore se rassit et jeta sa longue barbe par-dessus son épaule pour éviter qu'elle ne tombe dans son assiette. Car à présent, des plats innombrables avaient surgi de nulle part, et les cinq longues tables coulaient sous les rôtis, les pâtés, les panachés de légumes, le pain, les sauces et le punch de citrouille. Merveilleux, dit Ron avec un grognement de satisfaction. Il attrapa un plat de côtelettes et se mit à remplir dans son assiette sous l'œil mélancolique de Nick Cassis en tête. Que disiez-vous avant la répartition, demanda Hermione au fantôme, au sujet des avertissements donnés par le chapeau. Ah oui, répondit Nick, apparemment content d'avoir un prétexte pour se détourner de Ron, qui était occupé à dévorer des pommes de terre sautées, avec un enthousiasme proche de l'indécence. Oui, j'ai déjà entendu le chapeau donner des avertissements à plusieurs reprises. C'était toujours à des moments où il sentait venir des périodes de grand péril pour l'école. Et bien sûr, il conseille toujours la même chose, rester unis pour être plus forts. Comment un Jao pourrait-il avoir quelque chose étant âgé, dit Ron, qui avait la bouche tellement pleine que le simple fait d'avoir réussi à émettre quelques sons constituait déjà un exploit. Je vous demande pardon, dit poliment Nick assis en tête, tandis qu'Hermione paraissait outrée. Ron avala avec difficulté et reprit. Comment un chapeau peut-il savoir quand l'école est en danger ? Je l'ignore, répondit Nick. Mais comme il passe son temps dans le bureau de Dumbledore, on peut imaginer qu'il entend parfois des choses. Il veut que toutes les maisons soient amies, dit Harry en jetant un coup d'œil à la table des Serpentards, où Draco Malfoy tenait salon. Il peut toujours rêver. Je me suis habitué
son équipe.
regard impuissant et lent d'antipathie qu'il ne parvenait pas à s'expliquer. La seule chose certaine, c'était que tout en elle lui inspirait un profond dégoût, depuis sa petite voix stupide jusqu'à son cardigan rose et pelucheux. Elle s'éclaircit une nouvelle fois la gorge et reprit. Je dois dire que c'est un grand plaisir de revenir à Poudlard. Elle sourit en découvrant ses dents pointues et de voir tous ses petits visages joyeux levés vers moi. Harry jeta un regard autour de lui. Aucun visage ne lui parut joyeux. Les élèves semblaient plutôt surpris de s'entendre traiter comme des enfants de 5 ans. J'ai hâte de vous connaître tous et je suis sûre que nous deviendrons très vite de bons amis. Autour des tables, il y eut des échanges de coups d'œil. Certains cachaient à peine leur sourire ironique. Moi, je veux bien être amie avec elle du moment qu'elle ne m'oblige pas à porter son cardigan, murmura Parvati à la vente. Et toutes deux pouvèrent de rire silencieux. Le professeur Umbrage s'éclaircit à nouveau la gorge. Mais lorsqu'elle reprit son discours, sa voix était beaucoup moins voilée. Elle parlait plutôt comme une femme d'affaires et les mots qu'elle prononçait avaient le rythme morne d'un discours appris par cœur. Le ministère de la magie a toujours accordé une importance primordiale à l'éducation des jeunes sorcières et des jeunes sorciers. Les quelques dons que vous avez pu recevoir à votre naissance ne se révèlent pas d'une très grande utilité si une instruction attentive ne se chargeait pas de les cultiver et de les affiner. L'ancien savoir dont la communauté des sorciers est l'unique dépositaire doit être transmis aux nouvelles générations si nous ne voulons pas qu'il se perde à jamais. Les trésors de la connaissance magique amassés par nos ancêtres ce qui doit être amélioré.
et de tailler dans le vif chaque fois que nous serons confrontés à des pratiques dont l'interdiction s'impose. Elle se rassit et Dumbledore applaudit. Les autres professeurs l'imitèrent, mais Harry remarqua que plusieurs d'entre eux se contentèrent de claquer la main une fois ou deux seulement. Quelques élèves suivirent, mais la plupart avaient été surpris par la fin du discours, dont ils n'avaient écouté que quelques mots. Et avant qu'ils aient eu le temps d'applaudir vraiment, Dumbledore s'était à nouveau levé. Merci beaucoup, professeur Umbridge, pour ce discours très éclairant, dit-il en s'inclinant vers elle. À présent, comme je vous l'annonçais, les essais pour la construction des équipes de Quidditch auront lieu le... Ça pourrait être éclairant, c'était éclairant, dit Hermione à voix basse. Tu ne vas pas me dire que ça t'a captivé, non, répondit Ron en tournant vers Hermione, un visage éteint. C'est le discours le plus ennuyeux que j'ai jamais entendu. Et pourtant, moi, j'ai grandi avec Percy. J'ai dit éclairant, pas captivant, répondit-elle. C'est très révélateur. S'étonna Harry. Moi, ça m'a donné l'impression d'une sauce insipide. Il y avait beaucoup d'ingrédients cachés dans la sauce, répliqua Hermione, le visage sombre. Ah bon, dit Ron, interdit. Par exemple, le progrès ne doit pas être encouragé. Ou alors, taillé dans le vif chaque fois que nous serons confrontés à des pratiques dont l'interdiction s'impose. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Demanda Ron avec impatience. Ça veut dire ce que ça veut dire, répondit Hermione d'un ton lourd de menace, que le ministère a décidé d'intervenir dans les affaires de Poudlard. Des bruits divers retentissent soudain autour d'eux. De toute évidence, Dumbledore avait annoncé la fin de la soirée, car tout le monde s'était levé, prêt à quitter la grande salle. Hermione fit un bond, l'air effrayé. Ron, nous sommes censés montrer le chemin en première année. Ah oui, répondit Ron, qui avait complètement oublié. Et vous là-bas, les demi-portions? Ron, bah c'est vrai, ils sont tout petits. Je sais, mais ce n'est pas une raison pour les traiter de demi-portions. Les premières années, appelait Hermione d'un ton autoritaire. Par ici, s'il vous plaît. Un groupe de nouveaux s'avança timidement entre les tables de Gryffondor et de Poufsouffle. Chacun d'eux s'efforçait de ne surtout pas se mettre en avant. Ils avaient l'air en effet très petits. Harry était sûr qu'il ne semblait pas aussi jeune lorsqu'il était arrivé pour la première fois à Poudlard. Il leur adressa un sourire bienveillant. Un jeune homme blond, à côté d'Huan Abercrombie, avait l'air pétrifié. Il donna un petit coup de coude à Huan et lui murmura quelque chose à l'oreille. Huan Abercrombie parut alors tout aussi terrifié et lança un regard d'effroi à Harry, qui sentit son sourire glisser de son visage comme une coulée d'empestine. « À plus tard, » dit-il à Ron et Hermione. Il se dirigea seul vers la sortie de la grande salle, en faisant son possible pour rester indifférent aux regards et aux chuchotements, et aux doigts pointés qui le suivaient sur son passage. Les yeux fixés devant lui, il se fraya un chemin jusqu'au hall d'entrée, puis se dépêcha de monter l'escalier de marbre, prit un ou deux raccourcis secrets, et se retrouva bientôt loin de la foule. Il avait été stupide de ne pas prévoir ce genre de réaction, pensa-t-il avec colère, tandis qu'il parcourait les couloirs beaucoup moins fréquentés des étages supérieurs. Rien d'étonnant à ce que tout le monde le regarde. Deux mois plus tôt, il était sorti du labyrinthe du tournoi des trois sorciers, en tenant le cadavre d'un de ses camarades d'école et en affirmant qu'il avait vu Voldemort retrouver toute sa puissance. Il n'avait pas eu le temps de s'expliquer avant le départ des élèves en vacances d'été. Même s'il s'était senti prêt à en faire le récit devant toute l'école rassemblée des terribles événements qui avaient eu lieu dans le cimetière. Harry parvint au bout du couloir qui menait à la salle commune de Gryffondor et s'arrêta devant le portrait de la grosse dame. Il s'aperçut alors qu'il ignorait le mot de passe. Dit-il tristement. La grosse dame était occupée à lisser les plis de sa robe de satin rose. Lui lança un regard sévère. On n'entre pas sans mot de passe, dit-elle avec dédain. Harry, je le connais, dit quelqu'un derrière lui, une voix haletante. Il se retourna et vit Neville qui arrivait en courant. Devine ce que c'est, cette fois-ci. Je vais enfin m'en souvenir. Il brandit le petit cactus rabougri qu'il avait montré dans le train. C'est Mimbulus Mibeltonia.
foncé et de vieilles tables bancales qui lui donnaient un caractère intime et chaleureux. Un feu de bois brûlait joyeusement dans la cheminée et quelques élèves s'y réchauffaient, les mains, avant de monter dans les dortoirs. À l'autre bout de la pièce, Fred et George Weasley étaient en train d'accrocher quelque chose au tableau d'affichage. Harry les salua d'un signe de la main, puis se dirigea vers la porte des escaliers qui menaient au dortoir des garçons. Il n'était guère d'humeur à faire la conversation pour le moment. Neville le suivit. Thomas et Seamus Finnegan se trouvaient déjà dans le dortoir, occupés à recouvrir d'affiches et de photos les murs qui entouraient leur lit. Lorsqu'ils virent entrer Harry, ils interrompirent aussitôt leur conversation. Harry se demanda si c'était de lui qu'il parlait ou s'il devenait paranoïaque. « Salut, » dit-il en allant ouvrir sa grosse valise. « Salut Harry, » lança Dean qui enfilait un pyjama aux couleurs de West Ham. « Passez de bonnes vacances. » Pas mal, oui, marmonna Harry. Un compte-rendu détaillé aurait occupé la plus grande partie de la nuit, et c'était au-dessus de ses forces. Et toi ? Oui, oui, ça s'est bien passé, affirma Dean avec un petit rire. Mieux que pour Seamus, en tout cas. Il était en train de me raconter. Pourquoi ? Qu'est-ce qui t'est arrivé, Seamus ? Demanda Neville, en déposant tendrement son mi-bébulus, mi-boltonia, sur sa commode. Seamus ne répondit pas tout de suite. Il semblait beaucoup trop occupé à s'assurer que son affiche représentant l'équipe de Quidditch des Crécérel de Kenmare était bien droite. Enfin, tournant toujours le dos à Harry, il dit « Ma mère ne voulait pas que je revienne. Quoi ?» Harry, qui était en train d'enlever sa robe de sorcier, interrompit son geste. « Elle ne voulait pas que je revienne à Poudlard. » Seamus se détourna de son affiche et retira son propre pyjama de sa valise, en prenant soin de ne pas regarder Harry. Mais pourquoi ? S'étonna celui-ci. Il savait que la mère de Seamus était une sorcière, et ne comprenait pas ce qui aurait pu la pousser à adopter une attitude si proche de celle des Dursley. Seamus attendit d'avoir fini de boutonner son pyjama pour répondre. Eh bien, dit-il d'une voix posée, j'imagine que c'est à cause de toi. Qu'est-ce que tu veux dire ? Répliqua vivement Harry. Son cœur s'était mis à battre plus vite et il eut la vague impression que quelque chose se refermait sur lui. Eh bien, répéta Seamus en continuant d'éviter le regard de Harry. Enfin, ce n'est pas seulement toi, c'est aussi Dumbledore. Elle croit ce qui est écrit dans la cassette du sorcier, c'est ça ? Dit Harry. Elle pense que je suis un menteur et Dumbledore un vieux fou. Seamus leva les yeux vers lui. Ouais, quelque chose dans ce coup-là. Harry ne répondit rien. Il jeta sa baguette magique sur sa table de chevet, ôta sa robe de sorcier, la fourra d'un geste furieux dans sa valise et mit son pyjama. Merci pour le follow, bienvenue, installe-toi bien content. Il en avait assez d'être celui qu'on regardait et dont on parlait tout le temps. Il en était malade. Si l'un d'eux savait, avait la moindre idée de ce qu'il pouvait ressentir quand on avait vécu tout ce que lui avait vécu. Madame Finnegan n'en savait rien du tout. La pauvre idiote, songea Harry avec férocité. Il se glissa dans son lit et tendit la main pour fermer les rideaux de son baldaquin. Mais avant d'avoir pu achever son geste, Seamus demanda. Écoute, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Quand? Tu sais, avec Cédric Diggory et tout ça. Seamus paraissait à la fois inquiet et avide de savoir. Dean, qui s'était penché sur sa valise pour essayer de retrouver une pantoufle, s'immobilisa avec une attitude qui n'était pas très naturelle, et Harry devina qu'il tendait l'oreille. Pourquoi me demander ça? Répliqua Harry. Tu n'as qu'à lire la cassette du sorcier comme ta mère. Tu y apprendras tout ce que tu as besoin de savoir. Ne t'en prends pas à ma mère, protesta Seamus. Je m'en prendrai à tous ceux qui me traitent de menteur, répondit Harry. Ne me parle pas sur ce ton. Je te parle sur le ton qui me plaît. Son humeur s'échauffait à tel point qu'il attrapa sa baguette magique sur sa table de chevet.
Si ça te pose un problème de partager un dortoir avec moi, va donc demander à McGonagall de te mettre ailleurs. Comme ça, ta maman cessera de s'inquiéter. Laisse ma mère tranquille, Potter. Qu'est-ce qui se passe ici ? Ron venait d'apparaître sur le seuil de la porte. Il regarda successivement Harry, à genoux sur son lit, sa baguette pointée sur Seamus, puis Seamus, lui-même, les poings levés, en position de combat. « Il s'en prend à ma mère !» s'écria Seamus. « Quoi ?» dit Ron. « Harry ne ferait jamais ça. On l'a rencontré ta mère, on l'a trouvée très sympathique. » Ça, c'était avant qu'elle croie tout ce que cette immonde cassette du sorcier écrit sur moi, s'écria Harry de toute la puissance de sa voix. Ah, dit Ron, qui commençait à comprendre. D'accord. Tu sais quoi, leur lança Seamus d'un ton enflammé et en jetant à Harry un regard venimeux. Il a raison. Je ne veux plus me retrouver dans le même dortoir que lui. Ce type est fou. Tu dérailles, Seamus, dit Ron, dont les oreilles commençaient à rougir. Ce qui était toujours chez lui un signe d'alerte. « Je déraille, moi !» s'indigna Seamus, qui, contrairement à Ron, était devenu très pâle. « Alors toi, tu crois que les imbéciles, toutes les imbécilités qu'il raconte, sur tu sais qui, tu penses qu'il dit la vérité ?»« Oui, c'est ce que je pense, » répliqua Ron avec colère. « Dans ce cas, toi aussi, tu es fou !» dit Seamus d'un ton dégoûté. « Ah oui, malheureusement pour toi, mon vieux, il se trouve que je suis aussi préféré, » répondit Ron en tapotant son insigne. « Alors si tu veux éviter une retenue, fais un peu attention à ce que tu dis. » Pendant quelques secondes, Seamus parut penser qu'une retenue était un prix raisonnable à payer pour pouvoir dire ce qu'il avait sur le cœur. Mais après une exclamation de mépris, il finit par tourner les talons, sauta sur son lit et ferma les rideaux de son baldaquin avec une telle violence qu'ils s'arrachèrent de leur tringles et tombèrent sur le sol dans un gros tas d'étoffes poussiéreux. Ron lança un regard noir à Seamus, puis se tourna vers Dean et Neville. « Est-ce que d'autres parents ont des problèmes avec Harry ?» demanda-t-il d'un ton agressif. « Mes parents sont des moldus, » répliqua Dean avec un haussement d'épaule. « Ils ne sont absolument pas au courant qu'il y a eu un mort à Poudlard, vu que je ne suis pas assez idiot pour leur parler de ça. « Eh bien moi, tu ne connais pas ma mère. Elle arriverait à faire avouer n'importe quoi, n'importe qui, lança Seamus. De toute façon, tes parents ne lisent pas la cassette du sorcier. Ils ne savent pas que notre directeur a été renvoyé du Magmagot et de la Confédération internationale des mages et sorciers parce qu'elle commence à perdre la boule. Ma grand-mère dit que ce sont des idioties, intervint Neville. Elle dit que c'est la cassette du sorcier qui est sur la mauvaise pente. Pas Dumbledore. Elle a annulé son abonnement. Nous, on croit Harry, ajouta simplement Neville. Il se mit au lit et remonta les couvertures jusqu'à son menton en lançant à Seamus un regard de hibou. Ma grand-mère a toujours dit que tu sais qui reviendrait un jour. Elle a dit que si Dumbledore annonce qu'il est revenu, c'est qu'il est revenu. Harry sentit en lui une bouffée de gratitude pour Neville. Plus personne n'ajouta un mot. Seamus sortit sa baguette magique, répara les rideaux de son lit et disparut derrière. Dean se coucha également, se tourna sur le côté et demeura silencieux. Neville, qui n'avait rien d'autre à ajouter, regardait avec tendresse son cactus éclairé par un rayon de lune. Harry posa la tête sur son oreiller, tandis que Ron s'activait autour de son lit, orangeant ses affaires. Il se sentait ébranlé par sa dispute avec Seamus, car il l'avait toujours bien aimé. Combien d'autres allaient répandre à leur tour la rumeur qu'il était un menteur ou un détraqué? Dumbledore avait-il connu la même souffrance cet été, lorsque le Magmagot, puis la Confédération internationale des sorciers, l'avaient exclu de leur rang? Était-ce un sentiment de colère contre Harry qui l'avait dissuadé de le contacter ces derniers mois? Après tout, ils étaient tous les deux embarqués dans le même bateau. Dumbledore avait cru son récit. Il avait répété sa version des événements devant l'école tout entière, puis, plus largement, à la communauté des sorciers. Quiconque pensait que Harry était un menteur devait considérer que Dumbledore en était un aussi, ou bien qu'il avait été abusé. Ils finiront par comprendre que nous avons raison, songea Harry, désemparé, alors que Ron se couchait et éteignait la lumière des chandelles du temps.
celle de Sémus. Il devrait subir avant que vienne enfin le temps de la vérité. On va finir le chapitre 11, je prends un coup et on reprend. Chapitre 12. Le professeur Ombrage. Le lendemain matin, Sémus s'habilla en hâte et sortit du dortoir avant même que Harry ait mis ses chaussettes. Est-ce qu'il a peur de devenir fou s'il reste trop longtemps avec moi dans la même pièce, demanda Harry à haute voix, en voyant les pommes de la robe de Sémus disparaître derrière la porte. Ne t'inquiète pas pour ça, Harry, marmonna Dean. Il sent son sac sur l'épaule. Il est juste un peu... Mais apparemment, il était incapable de dire avec précision ce qu'était Sémus. Et après un silence gêné, il préféra sortir à son tour. Neville et Ron lancèrent tous deux à Harry un regard qui signifiait « C'est son problème, pas le tien. » Mais Harry n'en éprouva guère de consolation. Combien de fois devrait-il encore subir ce genre d'avanie? Qu'est-ce qu'il y a ? Demanda Hermione 5 minutes plus tard. Elle avait rattrapé Harry et Ron au milieu de la salle commune, tandis qu'ils allaient tous prendre leur petit déjeuner. Tu as l'air absolument... Oh mon Dieu ! Elle fixait d'un regard effaré le tableau d'affichage sur lequel une nouvelle annonce avait été placardée. Des galions à foison. Votre argent de poche n'arrive pas à suivre vos dépenses. Un peu d'or, vous serez le bienvenu. N'hésitez pas à prendre contact avec Fred et George Weasley, pièce commune de Gryffondor, pour petits travaux à temps partiel, simples et quasiment sans douleur. Nous avons le regret de préciser que les candidats devront agir à leur risque et péril. Ils dépassent vraiment les bornes, dit Hermione d'un air sombre. Elle s'empressa d'enlever l'annonce épinglée par les jumeaux sur une affiche qui informait que les premières sorties de Préolard auraient au mois d'octobre. Il va falloir leur dire deux mots, Ron. Ron parut soudain très inquiet. Et pourquoi ? Parce que nous sommes prévenus, répondit Hermione, en se glissant par le trou que masquait le portrait de la grosse dame. C'est à nous de mettre un frein à ce genre de choses. Ron resta silencieux. Harry devina à son expression renfrognée que la perspective d'empêcher Fred et George de faire ce qui leur plaisait n'avait rien d'enthousiasmant à ses yeux. En fait, qu'est-ce qui se passe, Harry, répondit Hermione. Tu as l'air furieux. Ils descendirent en présent les escaliers où s'alignaient les portraits de vieux sorciers absorbés par leur conversation pour leur accorder le moindre regard. Sémus prétend que Harry ment au sujet de tu sais qui, résuma Ron en voyant que Harry ne répondait pas. Harry s'attendait à ce que Hermione s'indigne en prenant sa défense, mais elle se contenta de soupirer. « Oui, la vente pense la même chose, » dit-elle d'un ton affligé. « Et là-dessus, vous avez bavardé aimablement pour savoir si j'étais oui ou non un petit crétin qui cherche à faire parler de lui, » demanda Harry d'une voix sonore. « Pas du tout, » répondit calmement Hermione. « En fait, je lui ai dit qu'elle ferait bien de la fermer une bonne fois pour toutes. » Et que ce ne serait pas mal si tu arrêtais de nous sauter à la gorge à tout propos, Harry. Parce que, au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, Ron et moi, nous sommes de ton côté. Il y eut un bref silence. Désolé, dit Harry à voix basse. Ce n'est pas grave, répliqua Hermione d'un air digne. Puis, là où j'allais t'aider, ajouta. Vous vous souvenez de ce que Dumbledore a dit le jour du festin de fin d'année? Harry et Ron le regardèrent d'un air interdit, et Hermione poussa un nouveau soupir. À propos de vous savez qui, il a dit que son aptitude à semer la discorde et la haine est considérable. Nous ne pourrons le combattre qu'en montrant une détermination tout aussi puissante, fondée sur l'amitié et la confiance.
Comment tu fais pour te rappeler tous ces trucs? S'étonna Ron, le regard admiratif. Moi, j'écoute, répondit Hermione, avec une certaine âpreté. Moi aussi, mais je serais quand même incapable de répéter exactement. Il se trouve, poursuivit Hermione d'une voix forte, que nous sommes précisément dans la situation dont parlait Dumbledore. Il y a 2 mois seulement que vous savez qui est de retour et nous commençons déjà à nous diviser. L'avertissement du chapeau magique était le même. Restez ensemble, soyez unis. Et Harry avait raison hier soir, répliqua Ron. Si ça veut dire qu'on doit devenir amis avec Serpentard, on peut toujours rêver. Je pense qu'il serait dommage de ne pas tenter un rapprochement entre les maisons, dit Hermione avec mauvaise humeur. Ils étaient arrivés au pied de l'escalier de marbre. Une file d'élèves de 4e année de Serdaigle traversait le hall lorsqu'ils aperçurent Harry. Ils resserrèrent aussitôt les rangs, comme s'ils avaient peur qu'il les attaque, les retardataires. Oui, il faudrait vraiment essayer de devenir ami avec ces gens-là, dit Harry d'un ton sarcastique. Ils suivirent les Serdaigle de la grande salle et se tournèrent instinctivement vers la table des enseignants. Le professeur Coppe-Blanche bavardait avec le professeur Sinistra, qui enseignait l'astronomie. Mais, cette fois encore, Hagrid se faisait remarquer par son absence. Le plafond, enchanté au-dessus de leur tête, reflétait bien l'humeur de Harry. Il était un cri d'une grisaille navrante. Dumbledore n'avait même pas précisé combien de temps cette coupe blanche allait rester. Peut-être, commençait Hermione d'un air songeur. Quoi ? Demandèrent Harry et Ron d'une même voix. Peut-être qu'ils ne voulaient pas attirer l'attention sur l'absence de Hagrid. Qu'est-ce que tu veux dire, ne pas attirer l'attention ? S'étonna Ron en riant à moitié. Comment pouvait-on ne rien remarquer ? Avant qu'Hermione ait pu répondre, une grande fille noire avec de longues tresses s'était ruée vers Harry. Salut Angelina. Salut, dit-elle d'un ton brusque. Passez de bonnes vacances. Et sans attendre la réponse, elle ajouta « J'ai été nommée capitaine de l'équipe de Quidditch de Gryffondor. » « Ça c'est bien, » répondit Harry avec un sourire. Il présageait que les discours d'encouragement d'Angelina ne seraient pas aussi longs et laborieux que ceux d'Olivier Dubois, et ce qui constituait un progrès. Journal lorsqu'elle posait à côté de son assiette.
rien sur toi, rien sur Dumbledore, ni sur quoi que ce soit d'autre. Le professeur McGonagall circulait à présent entre les tables pour distribuer les emplois du temps. Regarde ce qu'on a aujourd'hui, grogna Ron. Histoire de la magie, double cours de potions, divination, et encore un double cours de défense contre les forces du mal. Pins, Rogue, Trelawney et cet ombrage. Tout ça dans la même journée. J'aimerais bien que Fred et George se dépêchent de mettre au point leur boîte à flemme. Mes oreilles m'abuseraient-elles, dit Fred, en arrivant en compagnie de George. Tous deux se glissèrent sur le banc à côté de Harry. Un préfet de Poudlard ne chercherait quand même pas à sécher des cours. Regarde ce qu'on a aujourd'hui, dit Ron, d'un ton grincheux, en mettant son emploi du temps sous le nez de Fred. C'est le pire lundi que j'ai jamais vu. Je te l'accorde, petit frère, dit Fred, en parcourant la feuille des yeux. Si tu veux, je peux te céder à un prix un peu de nougat nauséos. Attends. Et on sent. Et pourquoi pas à bas prix ? Demanda Ron d'un air soupçonneux. Parce que tu continueras à saigner jusqu'à ce que tu sois tout desséché. On n'a pas encore trouvé l'antidote, répondit George, en se servant de la refumée. Ron rangea son emploi du temps dans sa poche. Merci bien, ronchonna-t-il. Je crois que je préfère encore le coup. À propos de vos boîtes à flemme, dit Hermione, qui dévisageait Fred et George avec des petits yeux perçants. Il n'est pas question d'afficher dans la salle comme une vos petites annonces pour recruter des cobayes. Ah, et qui dit ça, s'étonna George. C'est moi qui le dis, répliqua Hermione, et Ron aussi. Ne me mêle pas à ces histoires, protesta aussitôt Ron. Hermione le fusilla du regard. Fred et George ricanèrent. Tu changeras bientôt de discours, Hermione, assura Fred. En étalant une épaisse couche de beurre sur son petit baron. Tu commences ta cinquième année. Tu verras de très peu de temps. Tu nous supplieras de te fournir des boîtes à flemme. Et pourquoi aurais-je besoin de boîtes à flemme pour ma cinquième année, demanda Hermione. Parce que c'est l'année des puces, répondit George. Et alors ? Et alors, il va falloir préparer tes examens. Et tu passeras tellement de temps, le nez collé à ton labeur, que tu finiras par avoir la chair à vif. Répliqua Fred d'un air satisfait. La moitié de notre classe est tombée en dépression à l'approche des examens, dit George d'un ton joyeux. Larmes, sanglots, cris de nerfs, Patricia Stimson était sans cesse aux portes d'évanouissement. Kenneth Dolwer était couvert de furoncles, tu te souviens, rappela Fred. Ça, c'est parce que tu avais mis de la poudre depuis le bonox dans son pyjama, fit remarquer George. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, dit Fred, avec un grand sourire. On a parfois des trous de mémoire. En tout cas, la cinquième année, c'est un vrai cauchemar, reprit George. Si les résultats de tes examens t'intéressent, bien sûr, Fred et moi, on s'est toujours arrangés pour garder le moral. Oui, vous avez eu quoi ? 3 buts chacun, c'est ça, dit Ron. Ouais, répondit Fred d'un ton insouciant. Mais nous avons là une très nette impression que notre avenir se situe dans un autre monde que celui de la performance académique. Nous sommes même sérieusement demandé si nous allions prendre la peine de revenir ici vers notre septième année, dit George d'un ton claironnant, maintenant que nous avons. Il s'interrompit en voyant le regard de Harry qui savait qu'il s'apprêtait à parler du sac d'or du tournoi des trois sorciers. Maintenant que nous avons nos puces, acheva précipitamment George. Devions-nous vraiment passer nos aspics? Sans doute pas, mais nous avons pensé que maman ne supporterait pas de nous voir quitter l'école trop tôt. Surtout au moment où Percy se révélait être le plus grand crétin du monde. Cette dernière année ici ne sera pourtant pas du temps perdu, assura Fred en jetant un regard affectueux autour de la grande salle. Nous avons l'intention d'en profiter pour faire une étude de marché, évaluer très précisément les besoins des élèves moyens en matière de farce et attrape, analyser en profondeur les résultats de nos recherches, puis fabriquer les produits qui répondront à la demande. Et où allez-vous trouver l'or nécessaire pour financer votre magasin ? Demanda Hermione d'un air sceptique. Vous aurez besoin de beaucoup d'ingrédients, de matériel et d'un local aussi, j'imagine. Harry détourna son regard des jumeaux, les joues en feu. Il fit
sa fourchette et plongea sous la table pour la ramasser. Il entendit alors Fred lui dire au-dessus de sa tête. C'est pas de question. Et nous ne te dirons pas de mensonges, Hermione. Viens, George. Si nous arrivons là-bas assez tôt, nous pourrons peut-être vendre quelques oreilles rallonges avant le cours de botanique. Lorsqu'il émergea de sous la table, Harry et George s'éloignaient. Qu'est-ce qu'il voulait dire ? Interrogea Hermione qui regarda successivement Harry puis Ron. Ne nous pose pas de questions. Ça signifie qu'ils ont déjà suffisamment d'or pour lancer leur boutique. Justement, c'est ce que je me suis demandé, dit Ron, les sourcils froncés. Cet été, ils m'ont acheté de nouvelles tenues de soirée, et je n'ai pas réussi à savoir où ils avaient trouvé les galions pour ça. Harry estima le moment venu de faire dévier la conversation vers des eaux moins dangereuses. À votre avis, c'est vrai que cette année va être plus dure que les autres à cause des examens ? Oh oui, dit Ron, c'est forcément. Les bulles sont vraiment importantes. Elles déterminent les métiers que tu peux choisir et tout ça. Bill m'a dit qu'un peu plus tard dans l'année, on nous donnera des conseils sur les possibilités de carrière. Puis, pour qu'on puisse choisir les ESPIC qu'on préparera l'année prochaine. Vous savez déjà ce que vous voudrez faire après Poudlard, demanda Harry aux deux autres. Ils avaient quitté la grande salle et se dirigeaient à présent vers leur cours d'histoire de la magie. Pas vraiment, répondit Ron avec lenteur, sauf que... Enfin bon. Il semblait un peu embarrassé. Quoi ? Insista Harry. J'avais pensé que... Ça doit être super d'être un aurore, dit Ron, d'un ton dégagé. Oui, sûrement, approuva Harry avec ferveur. Mais c'est, disons, l'élite, poursuivit Ron. Il faut vraiment être bon. Et toi, Hermione ? Je ne sais pas. J'aimerais faire quelque chose de réellement utile. Aurore, c'est utile, fit remarquer Harry. Oui, mais il n'y a pas que ça, répondit Hermione, d'un air songeur. Par exemple, j'aimerais bien développer la SALE. Harry évita soigneusement de se regarder. L'histoire de la magie était de la vie générale la matière la plus ennuyeuse jamais conçue dans le monde des sorciers. Binns, le professeur fantôme, avait une voix sifflante et monotone qui provoquait presque immanquablement une terrible somnolence au bout de 10 minutes. 5 par donjon. Jamais il n'a même modifié le déroulement de ses cours. Il parlait, sans la moindre interruption, pendant que les élèves prenaient des notes, ou plutôt, qu'ils regardaient au plafond d'un air endormi. Jusqu'à présent, Harry et Ron s'étaient arrangés pour passer de justesse dans cette matière en recopiant les notes d'Hermione juste avant les examens. Elle seule avait la faculté de résister au pouvoir soporifique de la voix de Binns. Ce jour-là, l'habituel ronronnement du professeur Binns était consacré aux guerres des géants et devait lutter 1h30. Au cours des 10 premières minutes, on entendit juste assez pour songer qu'un autre professeur à sa place aurait pu rendre ce sujet vaguement intéressant. Son cerveau décrocha très vite, cependant, il en passa les 80 minutes restantes à jouer au pendu avec Ron sur un bout de parchemin. Du coin de l'œil, Hermione leur lançait par instant des coups d'œil indignés. Qu'est-ce qui se passerait, demanda-t-elle avec froideur, tandis qu'ils sortaient de la salle et que Binns disparaissait en traversant le tableau noir, si je refusais de vous donner mes notes cette année? Nous raterions nos bus, répondit Ron, si tu veux avoir ça sur la conscience. En tout cas, vous le mériteriez, répliqua-t-elle d'un ton sanglant. Vous n'essayez même pas d'écouter. Si, on essaye, affirma Ron. Simplement, n'avons pas ton intelligence ou ta mémoire ou ta concentration. Tu es plus brillante que nous, voilà tout. Ça te fait plaisir de nous le rappeler sans cesse. Ne nous sers pas ce genre de salade, répondit Hermione. Mais elle parut se radoucir un peu et sortit la première fois de la. Un peu et sortit la première dans la cour humide. Il tombait une petite pluie brumeuse qui rendait floues les silhouettes des élèves réfugiés en groupe serré autour de la cour. Harry, Ron et Hermione choisirent un coin à l'écart sous un balcon ruisselant et remontèrent leur col de leur robe pour se protéger de la froideur de septembre. Ils s'étaient mis à parler de Rogue en se demandant
et s'approcha d'eux. « Bonjour Harry. » C'était Cho Chang. Cette fois encore, elle était seule, ce qui n'arrivait presque jamais. La plupart du temps, Cho était entourée d'une bande de filles qui passaient le plus clair de leur temps à bouffer de rire. Harry se souvenait du mal qu'il avait eu à essayer de lui parler en tête-à-tête pour l'inviter au bal de Noël. « Salut, dit Harry, qui sentit son visage s'embraser. Au moins, tu n'es pas couvert d'empestine cette fois-ci, se dit-il. » Cho semblait penser la même chose. « Tu as fini par te débarrasser de ce truc ?»« Oui, dit Harry, en s'efforçant de sourire comme si le souvenir de cette dernière rencontre n'avait strictement rien de mortifiant et lui paraissait au contraire très drôle. « Alors, tu as passé de bonnes vacances ?» Il regretta ce qu'il venait de dire au moment même où les mots franchirent ses lèvres. Cédric avait été le petit ami de Cho, et la pensée de sa mort avait dû affecter ses vacances presque autant que celle de Harry. Les traits de son visage semblèrent se tendre un peu, puis elle répondit. « Ah oui, c'était bien. » « C'est un badge d'Éternel de Tussil que tu as là ?» demanda soudain Ron, en pointant l'index sur la poitrine de Cho, où était épinglé un badge. Bleu ciel frappé de double T. Tu n'es quand même pas une de leurs supporters. Si, répondit-elle. Depuis toujours ou simplement parce qu'ils sont en tête du championnat, répondit Ron d'un ton que Harry jugea inutilement accusateur. Je fais partie de leurs supporters depuis l'âge de 6 ans, répliqua Cho avec froideur. Bon. Un de ces jours, Harry. Elle s'en alla et Hermione attendit qu'elle s'ait traversé la moitié de la cour pour se tourner vers Ron. C'est fou ce que tu manques de tact. Pourquoi? Je lui ai simplement demandé si tu ne t'es pas rendu compte qu'elle voulait parler à Harry seul à seul. Et alors, elle n'a qu'à le faire. Je ne voulais pas l'empêcher de... Pourquoi tu l'as attaqué sur son équipe de Quidditch? Attaqué? Je ne l'ai pas attaqué, j'ai juste... Qu'est-ce que ça peut faire qu'elle soit supporter des tornades? Tu rigoles? La moitié des gens qui ont leur badge les ont achetés la saison dernière. Et alors? Et alors, ça veut dire que ce ne sont pas de vrais fans. Ils prennent simplement le train en marche. La cloche sonne, dit nonchalement Harry, car Ron et Hermione criaient trop fort pour l'entendre. La dispute se prolongea jusqu'au cachot de Rogue, et Harry songea qu'entre Ron et Neville, il aurait bien de la chance s'il parvenait à passer une minute dont il puisse se souvenir sans avoir envie de partir aux Antipodes. En dépit de tout, elle était venue lui parler de sa propre initiative, se dit-il, tandis qu'ils se joignirent à la file des élèves devant la classe de Rogue. Cho avait été la petite amie de Cédric. Elle aurait très bien pu haïr Harry pour être sortie vivant du tournoi des trois sorciers alors que Cédric était mort. Et merci Coco pour le follow, c'est très gentil, installe-toi bien. Pourtant, elle lui parlait d'une façon très amicale et non pas comme à un fou ou à un menteur, ou à quelqu'un qui, de quelques horribles manières, aurait été responsable de la mort de Cédric. Oui, pour la deuxième fois en deux jours, elle avait décidé de venir lui parler. À cette pensée, Harry sentit son moral remonter. Même le grincement menaçant que produisait en s'ouvrant la porte du cachot de Rogue ne parvint pas à faire éclater la petite bulle d'espoir qui enflait dans sa poitrine. Il entra dans la classe derrière Ron et Hermione, et les suit au fond de la salle. À leur table habituelle, indifférent aux divers bruits par lesquels ils exprimaient leur irritation. Taisez-vous, dit Rogue d'une voix glacée, en refermant la porte derrière lui. L'ordre de se taire n'était pas vraiment indispensable. Dès que les élèves avaient entendu la porte se fermer, le calme s'était installé et tout signe d'agitation avait disparu. La simple présence de Rogue suffisait habituellement à assurer le silence de toute une classe. Avant de commencer le cours d'aujourd'hui, dit Rogue, qui avait foncé sur son bureau et était visagé à présent d'un regard circulaire. Je crois utile de vous rappeler qu'en juin prochain, vous aurez à passer un examen important au cours duquel vous devrez apporter la preuve de vos connaissances en matière de composition et d'utilisation des potions magiques. Malgré le crétinisme congénital qui caractérise individuellement une partie de cette classe, il serait souhaitable que vous vous arrachiez une mention acceptable lors de votre épreuve de puce.
si vous ne voulez pas subir mon mécontentement. » Son regard s'attarda sur Neville qui déglutit avec difficulté. Au terme de cette année, bien entendu, nombre d'entre vous cesseront d'assister à mes cours, poursuivit Rogue. Je ne prends en effet que les meilleurs pour les préparations des aspics, ce qui signifie que certains n'auront plus qu'à me dire au revoir. Ses yeux se posèrent sur Harry et sa lèvre se retroussa. Harry soutint son regard en éprouvant un sombre plaisir à l'idée qu'il pourrait enfin laisser tomber les cours de potion à l'issue de sa cinquième année. Mais avant d'en arriver à ce bonheur des adieux, nous avons encore un an à passer ensemble, reprit Rogue d'une voix douce heureuse. Aussi, que vous ayez ou non l'intention de passer l'épreuve de potion aux espics, je vous conseille de consacrer tous vos efforts à maintenir le haut niveau que j'attends de mes élèves en année de plus. Aujourd'hui, nous allons préparer une potion qui est souvent demandée au brevet universel de sorcellerie élémentaire. Il s'agit du filtre de paix, destiné à calmer l'anxiété et à apaiser l'agitation. Mais je dois vous avertir que si vous avez la main trop lourde dans les dosages des ingrédients, celui qui boira la potion tombera dans un sommeil profond et peut-être même irréversible. Vous devriez donc vous montrer particulièrement attentif à ce que vous faites. À la gauche de Harry, Hermione se redressa un peu plus, en affichant une expression d'extrême concentration. Les ingrédients et la méthode de préparation, Rogue agita sa baguette magique, figurent au tableau. Ils s'y inscrivent à cet instant. Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Il agita à nouveau sa baguette dans l'armoire, dont la porte s'ouvrit aussitôt. Vous avez environ une heure et demie. Allez-y. Ainsi que Harry, Ron et Hermione l'avaient prévu, Rogue n'avait pas pu choisir pour un début d'année une potion plus difficile et délicate à préparer. Les ingrédients devaient être versés dans le chaudron exactement dans l'ordre et les quantités indiquées. Il fallait tourner le mélange un nombre précis de fois, d'abord dans le sens des aiguilles d'une montre, puis dans le sens contraire. Enfin, on devait diminuer la chaleur des flammes jusqu'à une température bien précise, pendant une durée déterminée, avant d'ajouter l'ingrédient final. Une légère vapeur argentée devrait maintenant s'élever de vos potions, annonça Rogue 10 minutes du cours. Harry, qui transpirait abondamment, regarda autour de lui d'un air désespéré. Son propre chaudron produisait d'énormes panaches de vapeur gris foncé. Celui de Ron crachait des étincelles vertes. Du bout de sa baguette, Seamus essayait fébrilement de réanimer son feu, qui paraissait sur le point de s'éteindre. La potion d'Hermione, en revanche, frémissait d'une brume de vapeur argentée. Lorsque Rogue passa devant elle, ses yeux se baissèrent sur son écrochu, et elle la regarda. Il regarda le chaudron sans faire de commentaire, ce qui signifiait qu'il n'avait rien trouvé à critiquer. Mais quand il arriva devant le chaudron de Harry, il s'arrêta et regarda la mixture avec un horrible sourire. Potter, qu'est-ce que c'est que ça exactement ? Au premier rang de la classe, les Serpentards relevèrent avidement la tête. Ils étaient toujours ravis d'entendre Rogue infliger ses sarcasmes à Harry. Un filtre de paix, répondit Harry d'un air tendu. Dites-moi, Potter, reprit Rogue d'une voix doucereuse, savez-vous lire ? Draco Malfoy éclata de rire. Oui, dit Harry, les mains serrées sur sa baguette magique. Dans ce cas, voudriez-vous bien me lire à haute voix la troisième ligne des instructions, Potter? Harry regarda le tableau en plissant les yeux. Il n'était pas facile à lire à travers la brume multicolore qui était à présent répandue dans la salle. Ajoutez la poudre de pierre de lune, tournez trois fois dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Laissez frémir pendant 7 minutes, puis ajoutez 2 gouttes de sirop d'Elébor. Il sentit son cœur chavirer. Il avait oublié d'ajouter le sirop d'Elébor et était passé directement à la quatrième étape après avoir laissé sa potion frémir pendant 7 minutes. Avez-vous fait tout ce qui est écrit à la troisième ligne, Potter? Non, répondit Harry à voix basse. Je vous demande pardon. Non, répéta Harry plus fort. J'ai oublié l'Elébor.
Je le sais bien, Potter, ce qui signifie que cette lamentable mixture ne sert strictement à rien. Evanesco. La potion se volatilisa et Harry se retrouva comme un idiot devant un chaudron vide. Ceux d'entre vous qui ont réussi à lire les instructions verseront à présent un échantillon de leur potion dans un flacon en inscrivant clairement leur nom sur l'étiquette et me l'apporteront pour que je puisse l'analyser, dit Rogue. Veuillez noter le sujet du prochain devoir. Vous ferez 30 cm de parchemin sur les propriétés de la pierre de lune et son utilisation sur les potions magiques à rendre jeudi prochain. Pendant que tout le monde autour de lui remplissait son flacon, Harry bouillonnait de rage, ramassait ses affaires. Sa potion n'était pas pire que celle de Ron, dont le chaudron exhalait une épouvantable odeur d'œuf pourri. Celle de Neville avait la consistance du ciment frais, et il dut y creuser un trou pour en retirer un échantillon. Pourtant, c'était lui, Harry, qui avait un zéro. Il fourra sa baguette magique dans son sac et se laissa tomber sur sa chaise en regardant les autres apporter leur flacon au bureau de Rogue. Au son de la cloche, Harry fut le premier à sortir du cachot et il avait déjà entamé son déjeuner lorsque Ron et Hermione le rejoignirent dans la grande salle. Pendant la matinée, le plafond était devenu d'un gris encore plus sombre et la pluie martelait les hautes fenêtres. C'était vraiment injuste, dit Hermione pour le consoler. Elle s'était assise à côté de Harry et remplissait son assiette de hachis parmentier. Ta potion était beaucoup moins ratée que celle de Goyle. Quand il l'a versée dans son flacon, le verre a explosé et sa robe a pris feu. De toute façon, dit Harry, en contemplant son assiette d'un regard noir, tu peux me citer une seule fois où Rogue n'ait pas été injuste avec moi. Personne ne répondit. Ils savaient tous les trois qu'une hostilité absolue et réciproque était née entre Rogue et Harry dès que celui-ci avait mis les pieds à Poudlard pour la première fois. Je pensais que ça passerait peut-être un peu mieux cette année, dit Hermione d'un air déçu. Je veux dire. Elle regarda brutalement autour d'elle. Il y avait une demi-douzaine de places vides de chaque côté et personne ne paraissait à proximité de la table. Maintenant qu'il est dans l'ordre du phénix et tout ça, acheva-t-elle. Les champignons vénéneux ne deviennent jamais comestibles, dit Ron avec sagesse. En tout cas, moi, j'ai toujours trouvé que Dumbledore était fou de faire confiance à Rogue. Où est la preuve qu'il ait véritablement cessé d'être au service de tu sais qui ? Des preuves, je suis sûr que Dumbledore n'en manque pas. Mais il n'a sans doute pas jugé utile de t'en parler, Ron, répliqua sèchement Hermione. Oh, taisez-vous tous les deux, dit Harry d'une voix accablée. Alors que Ron s'apprêchait à répondre sur le même ton. Hermione et Ron restèrent figés sur place, l'air furieux et offensé. Vous ne pouvez pas vous reposer un peu tous les deux, poursuivit Harry. Vous êtes tout le temps en train de vous chamailler. C'est à devenir dingue. Abandonnant son hachis, il mit son sac en bandoulière et partit sans ajouter un mot. Harry monta quatre à quatre les escaliers de marbre, croisant une foule d'élèves qui se hâtèrent d'aller déjeuner. Sa colère qui avait explosé d'une manière si inattendue continuait de bouillonner en lui et il éprouva une intense satisfaction en pensant à l'expression choquée de Ron et d'Hermione. Bien fait pour eux, pensa-t-il. Ils ne pensent donc jamais à arrêter de se disputer. N'importe qui deviendrait fou à les entendre. Il passa devant le grand tableau qui représentait le chevalier du catacombe. Celui-ci tira aussitôt son épée et la brandit d'un air féroce en menaçant Harry, qui ne lui accorda aucune attention. Reviens donc, chien galeux, reviens te battre, s'écria le chevalier d'une voix étouffée par le haume de son armure. Harry poursuivit son chemin tandis que le chevalier essayait de le suivre en se précipitant sur un tableau voisin, dont il fut chassé par son occupant, un gros chien loup aux yeux flamboyants de colère. Harry passa la fin de l'heure du déjeuner assis seul sous la trappe située au sommet de la tour nord. Lorsque la cloche sonna, il fut ainsi le premier à monter à l'échelle d'argent par laquelle on accédait à la classe de Sibylle Trelawney. Après les potions, la divination était la matière que Harry aimait le moins, en raison principalement de la manie
qu'avait le professeur Trelawney de lui prédire, presque à chaque cours, une mort prématurée. C'était une femme mince, enveloppée de grands châles et chargée de perles qui étincelaient de toutes parts. Harry trouvait qu'elle avait l'air d'un insecte avec ses épaisses lunettes qui lui grossissaient extraordinairement les yeux. Lorsqu'il entra, elle était occupée à déposer des volumes de cuir usés sur les petites tables aux pieds effilés qui remplissaient la pièce. Mais la lumière que diffusaient les lampes, recouvertes de châles et de feux de bois, aux senteurs écœurantes, était si faible qu'elle ne sembla pas remarquer la présence lorsqu'il alla s'asseoir dans la baignoire. Le reste de la classe arriva dans les 5 minutes qui suivirent. Ron émergea de la trappe, regarda lentement tout autour de la pièce, puis, lorsqu'il eut repéré Harry, s'avança directement vers lui, ou en tout cas, aussi directement que le permettaient les tables, les fauteuils et les énormes poufs qu'il fallait contourner et enjamber. On a cessé de se disputer avec Hermione, dit-il en s'asseyant à côté de Harry. Bonne chose, grommela celui-ci. Mais Hermione dit que ce serait bien si tu arrêtais de passer ta mauvaise humeur sur nous, ajouta Ron. Je transmets le message, c'est tout. Mais je crois qu'elle a raison. Nous ne sommes pas responsables de la façon dont Rogue et Simus te traitent. Je n'ai jamais dit que... Bonjour, dit le professeur Trelawney de son habituelle voix rêveuse, comme enveloppé d'un voile de brume. Harry se tut. Il se sentait à la fois agacé et un peu honteux. Et soyez les bienvenus dans la classe de divination. Bien entendu, j'ai soigneusement étudié vos destinées pendant les vacances, et je suis ravi de voir que vous êtes tous revenus à Poudlard sains et saufs. Ainsi d'ailleurs que je l'avais pris. Vous trouverez sur vos tables un livre intitulé « L'oracle des rêves » par Ignato Imago. L'interprétation des rêves constitue l'un des principaux moyens de pénétrer l'avenir, et il est très possible qu'on vous demande de traiter cette question à l'épreuve des puces. Ne croyez pas, bien sûr, que la réussite ou l'échec à un examen revêt à mes yeux la moindre importance lorsqu'il s'agit de l'art sacré de la divination. Si vous possédez le troisième œil, les certificats et les diplômes n'auront jamais grande importance. Mais le directeur de l'école tient beaucoup à ce que vous passiez vos puces, alors. Sa voix s'éteignit délicatement et ne fit de doute pour personne que le professeur Trelawney considérait cette matière comme très supérieure à des préoccupations aussi sordides que l'orientation d'un examen. Ouvrez, s'il vous plaît, vos livres à la page de l'introduction et lisez ce qu'Imago nous dit de l'interprétation des rêves. Vous regrouperez ensuite par équipe de 2 et vous tenterez d'interpréter vos rêves les plus récents en vous servant du livre « Allez-y ». Le groupe de divination avait pour seul avantage de n'être pas double, et lorsqu'ils eurent fini de lire l'introduction, il ne restait plus que 10 minutes à consacrer à l'interprétation des rêves. À la table voisine de Harry et de Ron, Dean avait fait équipe avec Neville, qui s'était aussitôt embarqué dans d'interminables explications d'un cauchemar au cours duquel il était apparu une paire de ciseaux géantes coiffée d'un beau chapeau de sa grand-mère. Harry et Ron, pour leur part, échangeaient des regards affligés. « Je me souviens jamais de mes rêves, » dit Ron, racontant des tiens. « Tu dois bien t'en rappeler au moins un, » répondit Harry d'un ton agacé. Il n'avait pas l'intention de partager ses propres rêves avec quiconque. Il savait très bien ce que signifiait son cauchemar le plus fréquent, celui où il se retrouvait dans un cimetière. Il n'avait besoin ni de Ron, ni du professeur Trelawney, ni de ce stupide oracle des rêves pour lui expliquer. J'ai rêvé que je jouais au Quidditch l'autre nuit, dit Ron. Les traits de son visage crispés dans un effort de mémoire. À ton avis, qu'est-ce que ça veut dire? Sans doute que tu vas être dévoré par une guimauve géante, ou quelque chose comme ça, répondit Harry. En se tournant machinalement les pages de l'oracle des rêves. Lire les bribes de rêves interprétées par l'oracle était particulièrement fastidieux. Et Harry ne se montra pas plus enthousiaste lorsque le professeur Trelawney leur donna comme devoir de tenir le journal de leurs rêves pendant un mois entier.
rogue de 30 cm sur les pierres de lune. Et maintenant, Trelawney nous oblige à tenir le journal de nos rêves pendant tout un mois. Fred et George n'avaient pas tort quand ils parlaient de l'année des bus. J'espère que cet ombrage ne va pas nous en donner encore plus. Quand ils entrèrent dans la classe de défense contre les forces du mal, le professeur Ombrage était déjà assise à son bureau. Elle portait le même cardigan rose que la veille, ainsi que le nœud de velours noir accroché à ses cheveux. Encore une fois, Harry ne put s'empêcher de penser à une grosse mouche qui se serait imprudemment perchée sur la tête d'un crapaud. Les élèves entrèrent dans la salle en silence. Le professeur Ombrage restait une inconnue pour l'instant, et personne ne savait quelles étaient ses exigences en matière de discipline. « Eh bien, bonjour, » dit-elle, lorsqu'ils furent tous assis. Quelques élèves marmonnèrent un vague bonjour. « Voyons, voyons, » dit le professeur Ombrage, « ça ne va pas du tout. J'aimerais bien, s'il vous plaît, que vous répondiez. Bonjour, professeur Ombrage. Recommençons depuis le début, si vous le voulez bien. Bonjour tout le monde. » « Bonjour, professeur Ombrage, » s'écrièrent les élèves. Voilà qui est beaucoup mieux, dit-elle d'une voix douce. Ce n'était pas si difficile, n'est-ce pas? Rangez vos baguettes et sortez vos plumes, s'il vous plaît. De nombreux élèves échangèrent des regards sombres quand un professeur disait « Rangez vos baguettes ». La leçon qui suivait était rarement passionnante. Il glissa sa baguette magique dans son sac et sortit sa plume, encre et parchemin. Le professeur Ombrage ouvrit son sac à main et tira sa propre baguette, qui était étonnamment courte, et en tapota le tableau. Des mots s'inscrivirent aussitôt. Défense contre les forces du mal, retour au principe de base. Merci pour le nouveau follow. Ako Gamer, installe-toi bien. Bien, il apparaît que votre enseignement dans cette matière a été passablement perturbé, et plutôt fragmentaire, n'est-ce pas ? Déclara le professeur Ombrage en se tournant vers les élèves, les mains jointes devant elle. Le changement constant d'enseignants, dont beaucoup ne semblaient pas avoir suivi le programme approuvé par le ministère, a eu le fâcheux résultat de vous laisser loin en dessous du niveau qu'on doit attendre en début d'année de bus. Vous serez certainement satisfait d'apprendre que ces problèmes vont être désormais révolus. Cette année, en effet, nous aurons un programme de magie défensive centré sur la théorie et approuvé par le ministère. Commencez par copier sur vos parchemins les phrases suivantes. Elle tapota à nouveau le tableau noir. Les mots qui s'y étaient inscrits s'effacèrent pour laisser place aux objectifs d'apprentissage. Petit 1. Comprendre les principes qui fondent la défense magique. Petit 2. Apprendre à reconnaître les situations dans lesquelles la défense magique se trouve légalement justifié. Petit 3. Remplacer la défense magique dans un contexte ouvrant sur les pratiques. Pendant 2 minutes, on n'entendit plus que le grattement des plumes sur les parchemins. Lorsque tout le monde eut recopié les 3 objectifs du professeur Brache, il demanda : Avez-vous tous votre exemplaire de théorie et stratégie de défense magique ? Esquive-dure. Un murmure d'approbation, dénoué d'enthousiasme, parcourut la classe. Je crois qu'il va falloir recommencer, dit alors le professeur Ombrage, lorsque je vous pose une question. J'aimerais bien que vous me répondiez oui, professeur Ombrage, ou non, professeur Ombrage. Donc je reprends. Avez-vous tous votre exemplaire de théorie et stratégie de défense magique par Wilbert Esquive-dure? Oui, professeur Ombrage, répondit la classe d'une seule voix. Très bien. Je voudrais maintenant que vous ouvriez ce livre à la page 5 et que vous lisiez le premier chapitre, principe de base à l'usage des débutants. Et je vous signale qu'il est inutile de bavarder. Le texte était à peu près aussi ennuyeux que le cours du professeur Pins. Il sentit son attention décliner et s'aperçut bientôt qu'il avait relu la même phrase une demi-douzaine de fois, sans en retenir grand-chose au-delà des premiers mots. Plusieurs minutes s'écoulèrent en silence. À côté de lui, Ron, l'air absent, tournait et retournait sa plume entre ses doigts, le
fixé sur la même ligne, jetant un coup d'œil à sa droite, arrivait alors une surprise qui le sortit de sa stupeur. Hermione n'avait même pas pris la peine d'ouvrir son exemplaire de la théorie et stratégie de défense magique. Les yeux rivés sur le professeur Umbridge, elle tenait obstinément sa main en l'air. Attendez, je reviens. Harry ne se souvenait pas d'avoir déjà vu Hermione dénier un livre qu'on lui demandait de lire. N'insistait jamais à la tentation d'ouvrir n'importe quel volume qui lui tombait sous le nez. Il s'interrogea du regard, mais elle se contenta de toucher légèrement la tête pour indiquer qu'elle n'était pas disposée à répondre aux questions. Elle continuait de fixer le professeur Umbridge, qui s'était résolument tourné dans une autre direction. Quelques minutes plus tard, Harry s'aperçut qu'il n'était plus le seul à s'intéresser à Hermione. Le chapitre qu'il s'était censé lire dégageait un tel ennui qu'un nombre grandissant d'élèves préféraient observer sa tentative muette pour accrocher le regard du professeur Umbridge plutôt que d'affronter les principes de base à l'usage des débutants. Lorsque plus de la moitié de la classe avait les yeux tournés vers Hermione au détriment du livre, le professeur Umbridge estima qu'elle ne pouvait ignorer plus longtemps la situation. Souhaitez-vous poser une question au sujet de ce chapitre ? Demanda-t-elle à Hermione, comme si elle venait tout juste de la remarquer. Non, pas au sujet du chapitre, répondit Hermione. Pour l'instant, nous sommes en train de lire, dit le professeur Umbridge, en découvrant ses dents pointues. Si vous avez d'autres questions, nous attendrons la fin du cours pour nous en occuper. J'ai une question à propos de vos objectifs d'apprentissage, dit Hermione. Le professeur Umbridge haussa les sourcils. « Et vous vous appelez ?»« Hermione Granger, » répondit Hermione. « Eh bien, Miss Granger, il me semble que ces objectifs sont parfaitement clairs, si vous prenez la peine de les lire attentivement, » répliqua le professeur Umbridge, d'un ton à la fois aimable et décidé. « Je ne le pense pas, » dit abruptement Hermione. « Rien n'est indiqué au sujet de l'utilisation des sortilèges de défense. » Il y eut un bref silence pendant lequel de nombreux élèves sourcils froncés tournaient la tête vers le tableau pour relire les trois objectifs qui étaient toujours inscrits. L'utilisation des sortilèges de défense, répéta le professeur Umbridge avec un petit rire. Je ne vois pas ce qui pourrait arriver dans ma classe qui nécessite de recouvrir à de tels sortilèges, Miss Granger. Vous ne craignez quand même pas de subir une attaque pendant mon cours? Alors, on ne fera pas de magie, s'exclama Ron d'une voix sonore. Lorsque l'on veut s'exprimer dans ma classe, on lève la main, monsieur. Weasley, dit Ron, qui tendit aussitôt la main en l'air. Le professeur Umbridge, avec un sourire plus large que jamais, lui tourna le dos. Harry et Hermione levèrent la main à leur tour. Les yeux cernés du professeur s'attardèrent un moment sur Harry. Puis, elle s'adressa à Hermione. Miss Granger, vous oubliez demander autre chose. Oui, répondit Hermione. La raison d'être des cours de défense contre les forces du mal, c'est bien de pratiquer des sortilèges de défense, non? Seriez-vous une experte formée par le ministère, Miss Granger? Demanda le professeur Umbridge d'une voix faussement aimable. Non, mais dans ce cas, j'ai bien peur que vous ne soyez pas qualifiée pour définir la raison d'être d'une matière, quelle qu'elle soit. Notre nouveau programme d'études a été établi par des sourcils beaucoup plus âgés et intelligents que vous, Miss Granger. Vous apprendrez ainsi les sortilèges de défense dans des conditions qui garantissent la sécurité et l'absence de risque. À quoi ça peut bien servir, s'interrogea Harry à voix haute. Si nous sommes attaqués, on ne sera pas avec votre main, Monsieur Potter, l'interrompit le professeur Umbridge d'une voix chantante. Harry prendit le poignet en l'air. Cette fois encore, le professeur Umbridge se détourna de lui, mais à présent, plusieurs autres élèves avaient également levé la main. « Vous vous appelez ?» demanda le professeur Umbridge à Dean. « Dean Thomas. Je vous écoute, monsieur Thomas. » « Harry a raison, non ?» déclara Dean. « Si on se fait attaquer, les risques ne seront pas tout du tout absents. » « Je le répète, » répondit le professeur.
professeur Ombrage, en adressant à Dean un sourire exaspérant. Craignez-vous de subir une attaque pendant mon cours ? Non mais... Le professeur Ombrage l'interrompit. Je ne souhaite pas critiquer la façon dont cette école a été dirigée, dit-elle, un sourire peu convaincant et s'étirant là en large sur sa bouche. Mais vous vous êtes trouvé exposé dans cette classe à des sorciers irresponsables, totalement irresponsables même, sans parler. Elle eut un petit rire féroce, de certains hybrides particulièrement dangereux. Si vous voulez parler du professeur Lupin, répliqua Dean avec colère, c'est le meilleur qu'on ait jamais. Votre main, monsieur Thomas, comme je vous le disais, vous avez été initié à des sortilèges complexes, inadaptés à votre âge et potentiellement mortels. On vous a fait peur en vous laissant croire que vous risqueriez d'être attaqué tous les deux jours par des forces maléfiques. Pas du tout, protesta Hermione. Nous avons simplement... Vous n'avez pas levé la main, Miss Granger. Hermione leva la main et le professeur Ombrage regarda d'ailleurs. Si j'ai bien compris, mon prédécesseur ne s'est pas contenté de pratiquer des sortilèges illégaux devant vous. Il les a pratiqués sur vous. En fait, c'était un fou, non ? N'empêche qu'on a quand même appris plein de choses, répliqua Dean avec ardeur. Vous n'avez pas levé la main, monsieur Thomas ? S'exclama le professeur Ombrage d'une petite voix aiguë. Le ministère estime que des connaissances théoriques seront suffisantes pour vous permettre de réussir vos examens, ce qui est après tout essentiel dans une école. Vous vous appelez ? Ajouta-t-elle en regardant Parvati, qui avait la main en l'air. Parvati Patil, il n'y a pas une partie pratique dans l'épreuve de défense contre les forces du mal quand on passe les puces. Est-ce qu'on ne doit pas montrer qu'on sait véritablement lancer des antisorts ou quelque chose comme ça? Si vous étudiez suffisamment bien la théorie, il n'y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas exécuter l'un de ces sorts sous le contrôle attentif des responsables de l'examen, répondit le professeur Ombrage d'un ton dédaigneux. Sans jamais les avoir pratiqués avant, insista Parvati, incrédule. Vous voulez dire que la première fois qu'on jettera ce genre de sort, ce sera le jour de l'examen? Je répète, si vous aviez étudié la théorie suffisamment bien, et à quoi ne servira la théorie dans le monde réel? Intervint Harry, en tendant à nouveau le poing en l'air. Le professeur Ombrage leva les yeux. Ici, nous sommes dans une école, monsieur Potter. Pas dans le monde réel, répliqua-t-elle avec douceur. Alors nous n'allons pas nous préparer à ce qui nous attend dehors. Rien ne vous attend dehors, monsieur Potter. Ah, vraiment ? Répliqua Harry. Sa mauvaise humeur avait bouillonné en lui tout au long de la journée, atteignant à présent son point d'ébullition. À votre avis, qui aurait l'idée d'attaquer des enfants comme vous ? Interrogea le professeur Ombrage d'une horrible voix mielleuse. Voyons, répondit Harry, en faisant semblant de réfléchir. Peut-être, disons, Voldemort. Eut un haut le cœur. La branle laissa échapper un petit cri. Neville glissa de son tabouret. Le professeur Ombrage, en revanche, ne manifesta aucune réaction. Elle fixa Harry avec une expression à la fois satisfaite et sinistre. 10 points de moins pour Gryffondor, monsieur Potter. Les élèves restèrent silencieux et immobiles. Chacun regardait soit Ombrage, soit Harry. Et maintenant, je vais éclaircir certaines petites choses. Le professeur Ombrage se leva et se pencha vers eux, les mains aux doigts boudinés étalées sur son bureau. On vous a raconté qu'un certain mage noir était revenu d'entre les morts. Il n'est pas mort, s'emporta Harry. Et c'est vrai, il est revenu. Monsieur Potter, vous avez déjà fait perdre 10 points à votre maison, n'aggravez pas votre propre cas, dit le professeur Ombrage d'un seul souffle, sans le regarder. Comme je vous le disais, on vous a raconté qu'un certain mage noir est à nouveau en liberté. Il s'agit d'un mensonge. Ce n'est pas un mensonge, s'exclama Harry. Je l'ai vu, je me suis battu contre lui. Vous aurez une retenue, monsieur Potter, répliqua le professeur Ombrage d'un air triomphal. Demain soir, 5 heures, dans mon bureau. Je le répète, il s'agit d'un mensonge. Le ministère de la magie peut vous garantir qu'aucun mage noir ne vous menace. Si vous continuez
vous aider. Je suis votre ami. Et maintenant, veuillez reprendre votre lecture, page 5. Principe de base à l'usage des débutants. Le professeur Ombrage s'assit derrière son bureau. Harry, en revanche, se leva. Tout le monde se tourna vers lui. Seamus paraissait à la fois effrayé et fasciné. Harry, non, murmura Hermione en lui tirant la manche. Mais il se dégagea d'un geste et resta hors de sa portée. Alors, selon vous, Cédric Diogori est mort de son plein gré, demanda Harry la voix tremblante. Toute la classe eut le souffle coupé. À part Ron et Hermione, personne n'avait jamais entendu Harry parler de ce qui s'était passé la nuit de la mort de Cédric. Les regards se posèrent avec avidité sur Harry et sur le professeur Ombrage, qui avait levé les yeux et le regard et le fixait sans la moindre trace de sourire. La mort de Cédric Diggory a été un tragique accident, dit-elle d'un ton glacial. C'était un meurtre, répliqua Harry. Il se sentait tremblé. Il n'avait quasiment jamais parlé de cela à personne, encore moins à une classe de 30 élèves qui le dévoraient des yeux. Voldemort l'a tué, et vous le savez très bien. Le visage du professeur Ombrage restait sans expression. Pendant un instant, Harry pensa qu'elle allait se mettre en colère contre lui. Mais de sa voix la plus douce et la plus enfantine, elle dit simplement « Venez ici, mon cher monsieur Potter. » Il écarta sa chaise d'un coup de pied, contourna Ron et Hermione et s'avança à grands pas vers le bureau. Il sentit la classe retenir son souffle. Sa rage était telle qu'il ne se souciait plus de ce qui pouvait lui arriver. Le professeur Ombrage sortit de son sac à main un petit rouleau de parchemin qu'elle étala sur son bureau. Puis, elle trempa sa plume dans un encrier et commença à griffonner en se penchant sur le parchemin pour que Harry ne puisse rien voir de ce qu'elle écrivait. Tout le monde resta silencieux. Au bout d'une minute, elle roula son parchemin et d'un coup de baguette magique le scella soigneusement pour qu'elle lui soit impossible de l'ouvrir. Allez donc porter ceci au professeur McGonagall, cher monsieur Potter, dit le professeur Ombrage, en lui tenant le parchemin. Il prit le parchemin en silence et quitta la classe en claquant la porte, sans même accorder un regard à Ron et à Hermione. Il parcourut rapidement le couloir, la main serrée sur le rouleau, tourna à l'angle d'un mur et se retrouva nez à nez avec Peeves, l'esprit vapeur, un petit homme avec une grande bouche, qui flottait dans les airs, allongé sur le dos, et jonglait avec des encriers. Tiens, 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 mais c'est le petit Potter piqué, craqueta Peeves. Il laissa tomber deux encriers qui s'écrasèrent sur le sol en éclaboussant les murs. Harry fit un bond en arrière avec un grognement de mauvaise humeur. Dégage, Peeves. Oh, ma boule les bougnons. Et beaucoup, dit Peeves. Il poursuivit Harry le long du couloir en lui jetant des regards en biais. « Qu'est-ce qui se passe cette fois, mon petit pote Potter ? On entend des voix, on a des visions, on parle dans des... » Pis fit un bruit grossier sur les lèvres. « Drôle de langue. »« Je t'ai dit de me laisser tranquille !» s'écria Harry en dévalant l'escalier le plus proche. Mais Pis glissa sur la rampe à côté de lui. Certains croient qu'il aboie le petit incogamin. Et d'autres plus gentils croient qu'il a du chagrin. Mais Peeves, qui sait tout, vous dit qu'il est zinzin. Tais-toi. Une porte sur sa droite s'ouvrit à la volée. Et le professeur McGonagall surgit de son bureau, la mine sombre et l'air un peu fatigué. Qu'est-ce qui vous fait crier comme ça, Potter, lança-t-elle d'un ton brusque, tandis que Peeves s'enfuyait en poussant des craquements de joie. Pourquoi n'êtes-vous pas en classe ? « J'ai été envoyé ici, dit Harry, avec raideur. »« Envoyé ? Qu'est-ce que vous voulez dire par envoyé ?» Il lui tendit le mot du professeur Ombrage. Les sourcils froncés, le professeur McGonagall le prit, l'ouvrit d'un coup de baguette magique, le déroula et commença à le lire. Derrière ses lunettes carrées, ses yeux pendirent d'un bout à l'autre du parchemin, en se plissant de plus en plus à chaque ligne. « Entrez, Potter !» Il la
suite à l'intérieur de son bureau. La porte se referma d'elle-même derrière eux. Alors, dit le professeur McGonagall en se tournant vers lui, c'est vrai. Qu'est-ce qui est vrai? Demanda Harry, d'un ton plus agressif qu'il ne l'aurait voulu. Professeur, ajouta-t-il, pour essayer de paraître plus poli. Est-ce que vous vous êtes opposé au professeur Umbrage? Oui, répondit Harry. Vous l'avez traité de menteuse? Oui. Vous lui avez dit que celui dont on ne doit pas prononcer le nom est de retour? Oui. Le professeur McGonagall s'assit derrière son bureau et regarda Harry les sourcils froncés. Enfin, elle dit, prenez un biscuit, Potter. À quoi? Prenez un biscuit, répéta-t-elle avec impatience. Elle lui montra une boîte en fer décorée en motif écossais, posée sur son bureau, au sommet d'une pile de papier. Et asseyez-vous, ajouta-t-elle. Un jour, Harry s'était trouvé dans des circonstances semblables. Il s'attendait à recevoir des coups de canne du professeur McGonagall qui, en fait, l'avait intégré à l'équipe de Quidditch de Gryffondor. Il se laissa tomber dans le fauteuil face à elle et prit dans la boîte en tritant au gingembre, ressentant la même impression d'incertitude et de confusion que ce fameux jour. Le professeur McGonagall posa le mot du professeur Umbrage sur son bureau et regarda Harry d'un air grave. Potter, vous devez faire attention. Harry avala son triton au gingembre et la regarda dans les yeux. Le ton de sa voix n'était pas du tout le même que d'habitude. La brusquerie, la sécheresse, la sévérité avaient disparu. Elle parlait à présent d'une voix basse, anxieuse et d'une certaine manière plus humaine qu'à l'ordinaire. Une mauvaise conduite dans la classe de Dolores Umbrage pourrait vous coûter bien plus cher que des points moins ou une retenue. Qu'est-ce que vous, Potter, avez donc vous un peu de bon sens, coupa le professeur McGonagall, qui retrouva soudain tout son ton coutumier. Vous savez d'où elle vient, vous savez à qui elle fait ses rapports. La cloche sonna à la fin du cours, au-dessus de leur tête, et tout autour d'eux retintèrent les pas éléphantesques de centaines d'élèves qui quittaient leur classe. Elle indique dans son mot qu'elle vous a infligé une retenue chaque soir de la semaine à compter de demain, dit le professeur McGonagall en parcourant une nouvelle fois le parchemin. Chaque soir de la semaine, répéta Harry horrifié. Mais professeur, vous ne pourriez pas? Non, je ne pourrais pas, répliqua le professeur McGonagall d'un ton catégorique. Mais elle est votre professeur. Elle a donc parfaitement le droit de vous donner des retenues. Vous vous rendrez dans son bureau demain soir à 5h. Et rappelez-vous, soyez très prudent chaque fois que vous aurez affaire au professeur Umbrage. Mais je disais la vérité, protesta Harry, outré. Voldemort est de retour, vous le savez. Le professeur Dumbledore sait qu'il est. Pour l'amour du ciel, Potter, s'exclama le professeur McGonagall en rachetant ses lunettes avec colère. Une horrible grimace lorsqu'il avait prononcé le nom de Voldemort. Il ne s'agit pas de vérité ou de mensonge. Il s'agit d'adopter un profil bas et de contrôler vos humeurs. Elle se leva, les narines et les lèvres plus pincées que jamais. Harry se leva à son tour. Prenez un autre biscuit, dit-elle, d'un ton irrité, en poussant la boîte vers lui. Non, merci, répondit froidement Harry. Ne soyez pas ridicule, lança-t-elle sèchement. Il prit un biscuit. Merci, dit-il à contre-cœur. Vous n'avez donc pas écouté le discours de Dolores Umbrage le jour du festin, Potter? Si, répondit Harry, si. Elle a dit que le progrès serait interdit. Enfin, ça signifie que le ministère essaye d'intervenir dans les affaires de Poudlard. Le professeur McGonagall le dévisagea pendant un bon moment. Puis, elle contourna son bureau et alla lui ouvrir la porte. Au moins, je suis heureuse que vous écoutiez Hermione Granger, dit-elle en lui faisant signe de sortir. On va s'arrêter là pour ce soir, les loulous, parce que j'ai mal à la gorge. Je voudrais pas pousser. Déjà, c'est cool, on a réussi à lire deux chapitres, donc c'est pas mal. Bisous, du coup. Merci d'être passé. Live, c'est demain soir.
Ce sera dimanche soir.